retrouve en bleu. Aucun rapport. C'est pas fait exprès. Non, du tout. En bleu et surtout avec nos belles baguettes magiques. Ta-da-da-da-da. Voilà. Parce qu'on va vous tourner une petite série de vidéos Harry Potter où on fait les tests de Pottermore. Voilà, voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les a toutes les deux déjà faits. Moi, je m'en souviens plus et surtout pas tous. Moi, je les ai tous faits, elle partiellement, mais en fait, le truc, c'est que soit on n'est pas satisfaite du résultat, alors on voudrait tester une deuxième fois, voir si ça donne la même chose. Voilà, voilà. Soit on s'en rappelle pas, soit on a changé depuis, donc on voudrait faire des tests. Donc la plupart des tests vont être faits par Laurine, mais moi, il faut que j'en fasse un aussi. Voilà. Du coup, on est désolée parce que comme on est très très nul avec tout ce qui est montage, on ne pourra pas vous mettre en même temps le screenshot. L'écran, ouais, ouais. Donc vous ne pourrez pas voir l'écran en même temps, mais on va essayer de vous traduire les questions parce qu'évidemment tout est en anglais. Et voilà, et Laurine donnera ses réponses quand c'est à Laurine, et moi je donnerai mes réponses quand c'est à moi. Par contre, du coup, on sait pas trop quand on va sortir ces vidéos, on sait pas s'il y aura beaucoup de temps entre chaque vidéo, si elles vont toutes sortir plus ou moins en même temps, on ne sait pas. Voilà, vous verrez bien. Allez, c'est parti. Aujourd'hui du coup, on teste et on voit la maison de Laurine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme vous verrez pas mon test parce qu'il a déjà été fait, je suis Gryffondor. Et Laurine avait déjà eu un premier résultat. Qui était Serpentard. Et elle n'est pas fière de sa maison. Voilà, je trouve que c'est dommage. Mais tant pis, hein, j'ai pas mon mot à dire. Et du coup, elle veut repasser le test avec une nouvelle adresse mail. Triche quand tu nous dis, hein. Pour voir s'il est vraiment Serpentard ou si elle va avoir un autre résultat. C'est parti, hein. Du coup, on s'excuse d'avance, mais on va pas beaucoup vous regarder en fait. On va focaliser oui. Sur l'écran de madame. Hein, voilà. L'aube ou le sombre. Enfin, l'obscurité. L'obscurité, carrément. Comment je fais pour répondre ? Je crois que c'est. Enfin, non, c'est, je crois que c'est pas. C'est l'aube ou le coucher de soleil. En fait. C'est juste... le coucher de soleil, clairement. C'est où que je réponds ? Je ne sais pas, Laurine. Wishful do your weather be. Lequel tu voudrais être? Lequel préférerais-tu être? Est-ce que tu préfères être envié? Est-ce que tu préfères être imité? Est-ce que tu préfères être cru? Cru, non, c'est bizarre, c'est comme ça. Est-ce que tu préférerais qu'on te fasse confiance, quoi? Est-ce que tu préférerais être prié? Est-ce que tu préfères être aimé? Et est-ce que tu préférerais être crainte? Bah, aimé. Tu rentres dans un jardin enchanté, qu'est-ce que tu serais le plus curieux de découvrir en premier? L'arbre aux feuilles d'argent qui a des pommes d'or. C'est bizarre. Alors il y a un mot que je sais pas trop traduire. Le je sais pas quoi grenouille, rouge et gros, qui apparaît quand tu parles à quelqu'un d'autre. Quand tu lui parles. Voilà, très curieux. La piscine à bulles. Grosso modo. Attends, c'est quoi la question déjà? Qu'est-ce que je voulais découvrir? Qu'est-ce que tu irais regarder en premier? D'accord. Dans les profondeurs desquelles tu vois quelque chose de swirling, de tourbillonnant et de lumineux. Pour l'instant, c'est ça. Et la dernière? La statue d'un vieux sorcier qui cligne bizarrement de l'œil. Non, c'est pas ça. C'est la piscine avec des bulles. Ouais, Laurine, Miss Princesse. Ouh, quel cauchemar t'effraierait le plus? Ouf, bonne chance. Voilà. Te tenir en haut de quelque chose de très haut et réaliser soudainement que je n'ai pas de que tu n'as pas de manière de t'accrocher avec les pieds ou avec les mains et qu'il n'y a pas de barrière pour t'empêcher de tomber. Ah. Que tu es dans une pièce toute noire et qu'il y a un œil dans la serrure qui t'observe. Et que tu es enfermé dans la pièce, évidemment. Donc, oui. Te réveiller en te rendant compte que ni tes amis ni ta famille n'ont aucune idée de qui tu es. Ça fait ça. Être obligé de parler avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et que tout le monde se fout de ta gueule. Ah ça c'est bah, ce qui se passe tous les jours pour moi. Bon. Bon, du coup, ça me fait non, alors, le sous-titre, c'est ce qui se passe tous les jours pour elle, parce que quand elle est stressée, elle parle avec une voix encore plus aiguë, insupportable. Quand je suis très stressée, ça va très bien, on est d'accord. J'ai une voix très aiguë, ou quand je crie. Quand je crie, j'ai une voix aussi très aiguë. Ce qui lui fait perdre tout son sérieux et toute son... Ce qui est très énervant. Non, mais c'est vrai que du coup, à chaque fois que je suis dans une nouvelle classe, bah, on se moque de moi parce que j'ai la voix aiguë, parce que je suis stressée, parce que je stresse tout le temps. Allez, réponds.
Elle répond donc que mes amis et ma famille ne sachent plus qui je suis. Mais t'es qui toi déjà? La sœur, imbécile, ton pire cauchemar. Ah, mais ça par contre. Là, il n'y a pas ma sœur là-dedans. Ouais. Après ta mort, que voudrais-tu que les personnes que ton entourage fasse le plus quand ils entendent ton nom? Que tu leur manques mais qu'ils sourient. Qu'ils demandent plus d'histoires à propos de tes aventures. Qu'ils pensent avec admiration à tout ce que tu as accompli. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi après que je sois morte. Je m'en fiche pas par contre quand je suis vivante. Non, enfin, c'est la vraie traduction, c'est ça importe plus quand je suis vivante que quand je suis morte. Miss you but smile. Oh, qu'il me manque. Mais qui souriant. Si tu dois te rendre à Poudlard pour ta première année, quel animal choisirais-tu? Donc je suppose que c'est... c'est quoi Tabby Cat? Je sais pas ce que c'est Tabby, donc un chat, je sais pas quoi. Un chat siamois. Ça devait être une... pas une marque, mais une race de chat, pardon. Un chat roux. Un chat noir. Un chat blanc. Ils sont chiants. Saoni, je sais pas ce que c'est. Oh, donc une chouette, je sais pas quoi. Une chouette, je sais pas quoi. Une chouette marron. Une chouette hivernale. Une chouette barge. Je ne sais pas. Un crapaud normal. Un crapaud natteur Jacques. Un crapaud dragon. Un crapaud harlequin. Un crapaud à trois quelque chose. Et là t'as fait tour. Ce serait le chat blanc. Moi j'aurais pris le chat noir peut-être. Ouais, enfin, j'aurais pris le crapaud, mais je pense que Laurine aurait pu prendre le chat noir. Moi j'hésitais entre chat noir et chat blanc là, voilà, parce c'est... que mes chats préférés sont ceux qui sont noirs et blancs. Parmi les suivants, lesquels voudrais-tu étudier? Donc c'est plutôt des créatures en fait. Centaures. Les centaures donc oui. Les gobelins. Je pense que ça c'est les... le peuple de l'eau. Enfin les sirènes et tout. Les fantômes. Les vampires. Les loups-garous. Ou les trolls. Loups-garous. Heads or tails. Ce qui veut dire la tête ou la queue. Ça chérie. Tête ou queue. Ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire cette question? Rien. T'inquiète, il y a d'autres questions ou tu peux. La tête. La tête. Ah bah voilà. Elle a changé de maison, les petits gars. Donc je suis pauvre sauf. Et pauvre sauf, ce sont ceux qui sont. Loyaux. Ceux qui sont. Appliqués. Ceux qui sont. Ceux qui sont comme Norbert Dragono. Pas plus loin. Bon, en gros, j'ai changé de personnalité, moi. D'un voilà. Autre côté, voilà, elle était jeune, chiante, et c'était un certain temps. Une vraie pétasse. Donc, c'est pour ça que c'est acceptable qu'elle l'ait repassée. Et du coup, ouais. J'ai une vraie pétasse, donc j'étais Serpentard, et maintenant je suis plutôt gentille, et je suis une pauvre souffle. Voilà. Parce que le truc, c'est que dans Harry Potter, le Choixpeau, il voit vos potentialités. Il voit ce que vous allez devenir. Or, là, quand vous répondez vous-même au questionnaire, vous êtes que ce que vous êtes à ce moment-là, et pas ce que vous allez devenir. Donc, je pense que le Choixpeau l'aurait quand même mis à Hufflepuff. Bonne question. Non, bon, bah, du coup, c'est fini. Du coup, ceci nous amène à la fin de cette magnifique et merveilleuse vidéo, les Spring. Et du coup, il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour ce genre de vidéo qui sera la découverte de la maison de Laurine à Ilverborny. Voilà. Il nous reste plus qu'à vous dire.